Un nouveau mode de jeu est apparu sur Fall Guys. Est-ce que ce nouveau mode de jeu sur Fall Guys va potentiellement sauver le jeu? Bah c'est ce qu'on va voir tout de suite. Vous avez une nouvelle émission sur Fall Guys qui s'appelle Winter Wonders. Donc en gros c'est plein de manches créatives faites par la communauté. Donc on va voir si vraiment elle correspond à nos attentes. Pour information, c'est le premier show 100% créé par la communauté. Donc à voir ce que ça va donner. Pour information, on a toujours uniquement des courses sur le jeu, ce qui est vraiment dommage. Mais là on va voir si vraiment ces modes de jeu est assez stylé, si les cours sont assez casus et si bien entendu il y a de la diversité et s'il y a du monde. On a aussi bien entendu un petit événement, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu un sur le jeu, où vous avez l'opportunité d'avoir une petite plaque, donc mode hibernation. Vous avez un motif qui est assez stylé, celui-ci, délice festif, et vous avez aussi une emote qui fait tomber votre personnage et qui fait du coup un ange des neiges directement dans la neige. Et aussi les amis, Epic Games m'a envoyé les nouveaux skins de Tortue Ninja. Vous savez qu'on avait déjà les 4 tortues et maintenant nous avons Maître Splinter directement ici. Nous avons aussi, hop, April directement, voilà, comme ceci. Le skin il est assez stylé. Et on a aussi Joe la mouche. Alors je ne sais pas comment il s'appelle, mais on va l'appeler Joe la mouche. Donc voilà, il est comme ceci. Lui il est un peu dégueu. Je suis pas trop fan. Donc les petits potes, on va commencer avec Maître Splinter, mesdames et messieurs, dans le nouveau mode de jeu Winter Wonders. Donc c'est parti. Alors Frosty Fiesta. Ok, pour commencer du coup ce petit mode de jeu avec Splinter du coup. Maître Splinter. Alors. Oh. Ok, on est obligé de passer par. Ok, par ce sapin, d'accord. Franchement, si on a plusieurs maps, franchement, moi ça me va. J'espère que ce type de round, du coup, il y aura plus. Oh, ok, ça fait comme une ascension poisseuse, ok. Bon, j'ai juste pris tard pas cher par contre. Oh! Ah! Ah, je suis bloqué! Ah non, mais c'est galère là! Ok, parfait. Ok, faut aller sur les cadeaux à côté ici. Ok. Ah, l'autre là, il sait pas où aller. Ah ouais, en fait, c'est juste ici. Ok, d'accord. On tombe et on est qualifié. Ok, ça marche. Parfait. Oh, c'est plutôt intéressant parce que là, du coup, on n'a pas encore la finale. Donc, bah, c'est plutôt cool. Ok. On a minimum 3 rounds. C'est pas mal. Parce que franchement, là, les modes, frère, les rounds où on a absolument... aucune variété, ou est-ce qu'on a aucune course qui s'enchaîne. Franchement, c'était plutôt barbant, donc assez surpris, agréablement surpris de ce mode de jeu du coup. Ok, j'espère juste qu'il n'y a pas juste 3 maps du coup et que c'est constamment les mêmes. C'est un d'être un slide, ok. Oh, oh non, j'ai eu peur. Je pensais que c'était du... Je pensais qu'il y avait un trou juste derrière moi. Ok, donc là pour éviter de ralentir. Ok, Non, je dois tout remonter comme ça? Ah non, faut repartir de l'autre côté. Attends. On va tomber là parce que... Oh, oh quoi? Je remonte ici? Non, mais non. Ah, la map, elle est pas du tout adaptée. Elle est beaucoup trop punitive. Et on sait même pas où il faut aller. Waouh, c'est ici en fait qu'il fallait aller. Voilà les gars, là je suis mort. Oh non, ça va, il y a tout le monde qui est paumé là. Je vais à un endroit, mais je sais pas où je vais. Hein. Ok. Bon, ça a l'air d'aller. D'accord, on est obligé de remonter ici. Oh, ok. Je suppose qu'il y a pas mal de monde avant moi là. Oh, ok. Là on va sur le côté ici. Qu'est-ce que... Ah, ok. Ah, c'est pas... Wow. Ah, c'est pas très... pas très explicite. Donc là on doit slide entre les nuages, c'est ça? Ou de la poudreuse. Oh, si je pouvais cut. Hein? Ok, il faut que j'aille ici. Oh, on voit rien en fait. On voit rien dans sa map. Bon, là, je pense qu'on est sur la bonne voie du coup. Sa map, elle est stylée, mais elle est pas du tout faite pour les casus en vrai. Oh! Oh! Ok, c'est bon. Oh, je suis le premier. Oh, il reste 26 secondes pour se qualifier. Non, mais attends. Non, mais attendez, là, c'est Topin, en fait. Oh, c'est Topin, mon copain. Tout le monde s'est perdu, en fait. Tout le monde s'est perdu. Ouah, mais ouais, non, c'est, tu vois, ces maps-là, elles sont pas faites pour... En gros, il faut que ça soit des maps simples à faire. Il faut que ça soit une course. Pas que ça soit, en fait, le premier qui réussit à faire un truc, un Death Run impossible. Bon, après, la map est réalisable en soi, mais... Mais vous voyez ce que je veux dire? Faut que ça soit vraiment des maps casu en fait. Ok, donc là mesdames et messieurs, on est à nouveau sur le même mode. Et franchement, c'est pas mal. On a d'autres maps du coup qui sont proposées. Donc c'est vraiment cool. Ok, et je crois que c'est la première fois qu'on a un show avec
plein de personnes et que ces shows en fait sont réalisés par des créateurs en fait, tout simplement. Oh, lui il va être chiant lui. Oh. Ok. Ok. Oh non, l'autre là qui arrêtait pas de graber derrière. Ok, cool. Où est-ce qu'il faut aller? Ok, on va suivre la petite flèche. Ah oui, là. Ok, d'accord. Ici, c'était pas évident. Oh. Parfait. Ok, le marteau. Ok, ok. Je crois qu'on peut skipper un truc là. Non. Oh, oh. Non. Non. Ah, finalement on a perdu notre avantage. Oh là 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 là, on finit deuxième mais c'est pas grave. C'est la première phase de qualification. Bon là par contre on a direct une finale du coup. Après la map d'avant il y a eu que 8 qualifiés. C'est à dire que les personnes en fait ont pas réussi à finir la map. Ça c'est pareil. Ça c'est pas des maps faites pour des casus. D'accord, c'est un... Ok, une forme de U. Oh. Perfect. On est bien. Non. Ok, c'est bon. On est en première place, les gars. Oh, je vais tous me les prendre. Ok, parfait. Ok. Bon, là, première partie de fête. Ah, j'ai perdu du temps là-dessus. Et là on est bien. Oh, comment ça freine? Non. Ok, on va attendre là. Oh. Non, attends, j'ai eu la projection avec... Oh, les projections, qu'est-ce que c'est horrible. Ok, c'est bon. Oh, quoi? Comment je freine? Non mais attends, là je me serais fait cut par un mec, j'aurais pété mon crâne. Ok les gars, deuxième petit top 1 d'affilée. Eh, décidément, là on enchaîne. Ok, donc là on était avec le deuxième skin. J'ai un troisième skin à vous montrer les petits potes. C'est parti. Ok, pour ce dernier skin, on a encore une autre map différente. Donc du coup il y a de la diversité dans ce show. Donc c'est assez stylé. Je suis vraiment content puisqu'au final, en plus sur Fall Guys, on a uniquement les courses en créatif pour le moment. Parce que ils nous ont dit qu'il devrait y avoir plus de thèmes, il devrait y avoir beaucoup plus de modes de jeu. Donc on a uniquement les courses et là franchement la diversité est au rendez-vous. Donc c'est plutôt cool. Ah oui, là c'est pas... Ouah. Quoi? Juste devant comme ça? Oh, non mais non. Ah, c'est en bas qu'il faut aller. Et là, hop là, fermé. Ok. Ah oui, faut que je fasse des petites... Ok, faut que je fasse des petites vrilles. On est en première place là, on est bien. Oh. Ok. Oh là là, première place pour le seigneur Gakko. Il a compris la map. Let's go. Ok les gars, on a une autre map. Alors je sais pas si celle-là on l'a déjà faite. Par contre celle d'avant les gars, tout le monde s'est qualifié. C'était une map casu. Du coup au final c'était une map où est-ce qu'il fallait être le plus rapide. Et donc du coup ça c'est exactement ce type de map qu'il nous faut pour faire développer Fall Guys au niveau des courses créatives en fait. Ok, celle-là on l'a déjà faite. Alors par contre celle-ci, ah c'est celle-ci où est-ce que les gens n'ont pas réussi à finir. Alors maintenant on la connaît donc là ça va être bon. On va pouvoir même la speedrun. Ouais, speedrun cette map est à bien un grand mot. Oh, j'aurais pu aller sur le côté là. Non. Ah, les gens ils vont être paumés. Hein. Les gens vont se perdre. Elle est pas assez facile en fait. Tu te perds beaucoup en plus, tu vois, avec la caméra. Faut constamment gérer la caméra parce que tu comprends pas trop en fait. Il a voulu vraiment être créatif et tout, mais un peu compliqué en termes de direction en fait. Ok. Voilà, ici faut le trouver dès le début, tu vois. Sinon tu rebondis un peu n'importe où, tu tombes. Tu sais pas trop où aller. Ah ouais, tu vois, là c'est trop chiant. T'es obligé d'aller là-dedans, quoi. Oh, la perte de temps. Ah, je sais pas si je pouvais sauter direct. Oh. Oh, ça a mis tellement de temps à se déployer. Ouais, tu vois, ouais.
Franchement, la caméra, c'est pas évident. On était descendu à gauche, mais est-ce qu'on peut... Oh, à droite, qu'est-ce qu'il y a ici à droite? Il y a des œufs. Ça sert à quoi d'avoir un œuf? D'avoir un œuf. Ça sert à rien. C'est nul. Faut aller de l'autre côté. Ok, parfait. On va faire le poisson, là. Et bah, c'est bon, je pense qu'on va... On va se qualifier Oh! J'allais dire se qualifier tranquillement, mais non! Voilà, parfait. Vous avez rien vu, vous avez rien vu. Voilà, parfait. Ok, let's go. Je sais pas si on va avoir un deuxième qualifié. Ok, let's go. Impec, bah en vrai, ce mode de jeu est vraiment bien. Ça montre des maps de Noël, faites en plus 100% par la communauté. Donc je recommande. N'hésitez pas, si jamais ça faisait un petit bout de temps que vous n'êtes pas allé sur Fall Guys, n'hésitez pas à découvrir du coup ces petites maps. Franchement, j'ai été agréablement surpris de ce mode de jeu. Après, à mon avis, il va falloir... davantage de contenu si on veut bien entendu sauver le jeu. Bon, en tout cas les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu et de vous abonner si c'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut.